Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Connex. Connex est un jeu de Prospero Hall. Prospero Hall, en fait, c'est un ensemble d'auteurs. Donc, on n'a pas d'indication sur l'auteur exact. Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé dessus. J'ai pas d'information non plus sur l'illustrateur. Donc, c'est un jeu de chez ABBA pour à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs. On est sur un jeu de cartes plutôt abstrait avec une part de chance. La difficulté est pas trop énorme et il n'y a pas de choses trop techniques dans le jeu. Vous allez voir, c'est assez simple. 2 à 4 joueurs, je vous l'ai dit, pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Connex, le but du jeu est de pouvoir remporter la partie, donc c'est un petit peu une course, c'est-à-dire que le premier joueur qui arrivera au bout de cette piste aura donc du coup gagné la partie. On va avoir ici 3 jetons, un peu spécifiques, enfin un dé et 2 jetons, un jeton avec un éclair, un jeté avec un x2 et un dé avec différentes faces, je vous en parle un petit peu après. Ensuite, on va avoir tout un tas de cartes, comme ceci, et on va donner à chaque joueur 5 cartes. À son tour de jeu, le but, donc Connex, ça va être de connecter des cartes. Donc, vous avez des cartes avec des fois des symboles qui vont donner des actions. Ici, ça va être le dé, et ici, c'est une action un peu spécifique. Et ensuite, donc, sur chaque carte, sur les coins, vous avez des valeurs. Et il va tout simplement falloir connecter le coin soit à un bord du plateau, soit par la suite à un bord d'une carte. Donc si je le place ici, il y a une valeur 5 qui est notée dessus, donc je suis le joueur rouge, je vais tout simplement gagner 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Cette action-là qui est un peu spécifique, je n'en parle pas maintenant, puisqu'il n'a pas d'action directe pour celui qui l'a joué. Je ne repioche pas l'autre carte, c'est maintenant à l'autre joueur de jouer. Il va regarder ce qu'il a dans sa main. Et ce qui serait intéressant, c'est d'aller jouer sur une carte rouge et prendre pas mal de points sur la carte rouge. Alors ici, il n'y a pas finalement, il y avait peut-être mieux à faire parce que ici, il a une nouvelle fois un petit 5 qui pourrait venir placer comme ça. Vous avez vu, donc la disposition est différente. Il pourrait la placer comme ça. Donc c'est même c'est ce qu'il va faire et il va prendre du coup 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Le troisième joueur, ça va être à lui de jouer. Et là, il va regarder, hop, est-ce qu'il a du rouge? Il a du rouge. Et je vais vous montrer un petit peu le principe de ce bonus qui est ici. Donc là, on a une nouvelle fois ce bonus qui est là. Bah, on va peut-être même carrément voir s'il n'a pas un bonus sur du jeune, mais il a du jeune. Il a du jeune et il va venir placer ici son 3. Donc il faut 3 points de victoire. Il va venir le placer là. On respecte toujours bien la pose. Et quand on pose une carte sur cette carte-là, on gagne un plus 2. Donc là, il va gagner une nouvelle fois aussi 5 points de victoire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va enlever, on a dit qu'on est sur partie à 3 joueurs. On va retirer le jeton jeune. Ça va être de nouveau à l'autre joueur. Le principe est toujours le même. On va devoir jouer des cartes. Ou, à son tour de jeu, on n'est pas obligé de jouer des cartes. On peut, si on veut aussi, à ce moment-là, piocher des cartes. Et là, on piochera 2 cartes. C'est tout ce qu'on fait. Mais ça nous permet de renouveler un petit peu le cadre, d'avoir un peu plus de choix éventuellement sur les points de victoire. Bien sûr, quand vous faites ça, ben vous n'avancez pas, vous ne posez pas de carte. Autre symbole qu'on peut trouver, qu'on a vu ici, c'est que là, celui qu'on a posé sur 3, il a joué aussi le dé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on joue une carte avec le dé, on lance immédiatement le dé. Et là, on va pouvoir tomber soit sur le 2 fois. Donc le 2 fois, on le prendra soit s'il est au milieu de la table, soit s'il est sur un autre joueur, on va venir le récupérer. Même principe pour l'éclair. Et les autres possibilités qu'on va avoir, c'est d'avoir pioché 2 cartes ou pioché 1 carte. Au niveau de la pose des cartes, je vous ai montré qu'on pouvait les poser soit sur un coin, soit sur une autre carte. Les choses qu'on ne va pas pouvoir faire, c'est venir ici, essayer de poser à la fois sur un coin de carte et sur le plateau. C'est impossible. Comme essayer aussi de le poser ici sur un coin de la carte qui est là et qui viendrait toucher aussi. Donc là, ici, ça passe tout juste. Mais si, imaginons, on était un petit peu décalé, que lui, il avait remonté un petit peu plus comme ça. Et donc là, j'essaie de venir mettre mon 2. Et donc là, en mettant mon 2, hop, on va dire, allez, c'est bon, je touche. Je ne pourrais pas la poser. Donc ça, c'est les deux contraintes. C'est que vous ne pouvez pas, quand vous posez une carte, retoucher une autre carte ou une autre partie du plateau. Vous devez toujours avoir posé que sur un seul élément. À votre tour de jeu, donc on a dit, on peut piocher des cartes. On peut jouer une carte et on a parfois le symbole ici de pouvoir lancer le dé. Quand ça revient à votre tour, donc moi j'avais récupéré ici le x2, ça revient à mon tour. Je vais regarder les cartes qui sont intéressantes à jouer. Et là ici, donc j'ai un 3, je vais mettre mon 3 comme ceci.
Et je vais dépenser mon x2. Je vous conseille de vraiment l'utiliser rapidement dès que vous l'avez. Vous pouvez l'utiliser qu'au tour suivant. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui relance un dé, il est possible que vous le reperdiez et vous n'ayez pas eu le temps d'en profiter. Donc là, en faisant ça, eh ben, du coup, j'ai 3 x 2. Je prendrai donc du coup 6 points de victoire. J'avancerai ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de victoire. L'éclair. Qu'est-ce qu'il va faire si on récupère l'éclair? Quand on récupère l'éclair, au début de votre tour, avant de jouer votre tour, vous pouvez très bien enlever une carte qui sera défaussée, remise sous la pioche, pour pouvoir venir en poser une. Donc ça permet des fois d'aller reposer une carte que vous avez qui était vraiment intéressante à poser, d'aller chercher du coup un plus 2, et puis du coup, et d'en enlever une qui vous embêtait. Bien sûr, c'est la carte que vous allez enlever, il ne faut pas qu'elle soit, qu'il y en ait une autre qui soit posée par au-dessus. Vous devez enlever la dernière qui est facile, qu'on peut retirer sans contrainte. Et vous avez là donc toutes les règles du jeu. Dernière chose que je n'ai pas parlé, c'est le territoire. Le territoire est limité suivant la table que vous avez. En fait, si ça doit sortir de la table, vous ne pouvez pas poser la carte. Ou si vous souhaitez délimiter tout simplement un territoire d'une zone de jeu. C'était donc Connex, un petit jeu de cartes, de connexion, où on va poser nos cartes, nos couleurs dans les angles. On va essayer de surpérer. Donc ça marche bien avec les enfants. C'est d'essayer de surpérer sur les formes, d'essayer de bien les placer. Donc il y a un petit repère pour entrer en dimension dans l'espace, mais il y a quand même un petit repère à se placer ici, à bien les tourner pour pouvoir se les positionner. Et puis on a ce petit principe de couleur et de bonus à aller chercher. Donc il y a un petit peu de l'opportunisme dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est pas encore fait. Me laisser des commentaires qui font toujours plaisir. Me faire un petit pouce. Le petit pouce me permet juste d'avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.